Salut les amis, cet après-midi, nous allons écouter l'histoire intitulée « Telle tante, tel neveu ». Alors, Mélodie a son neveu, qui s'appelle Eric, mais elle l'appelle Paresse, parce que c'est un paresseux. Alors finalement, ce jour, Paresse arrive à la maison, donc chez sa tante. Dès qu'il rentre à la maison, il commence à dire « Salut Tantine, comment vas-tu » Et puis après, « Tantine, ça sent mauvais dans la maison. » En fait, il avait son masque, il avait porté son masque, parce qu'il revenait de l'extérieur et tout, et sa tante lui a dit « Paresse, tu as ton masque, et je suis sûr que tu ne t'es pas brossé les dents. Alors si tu enlèves ton masque, marche un tout petit peu, ne dis rien, et dis-moi ce que tu sens maintenant. » Il a marché un tout petit peu, il a dit « Ça va. » Il dit « Bon, porte ton masque maintenant et parle. » Oui, Tantine, je crois que... Oui, ça sent. Donc, c'est toi qui ne t'es pas brossé les dents. Et puis, comme tu as porté le masque, tu sens l'odeur de ton haleine. C'est pourquoi tu dis qu'ils sont mauvais dans la maison. Ils ne sont pas mauvais dans la maison, c'est plutôt ton haleine. C'est toi-même qui ne t'es pas brossé les dents, comme toujours. Je dis toujours de te brosser les dents. Paresse. Puis, finalement, il regarde dans la maison et dit, mais Tantine... Mélodie, en tout cas, c'est vraiment, il y a du brouillard dans la maison. Pareil, il n'y a pas de brouillard dans la maison, ce sont tes lunettes. Tu n'as pas nettoyé tes lunettes. Je te dis toujours de nettoyer tes lunettes. Tu ne nettoies pas tes lunettes, c'est pourquoi tu vois qu'il y a du brouillard. Si tu enlèves, tu vas bien voir que tu peux lire sans problème. Il n'y a pas de brouillard dans la maison. Cependant, je crois qu'il fait un peu chaud dans la maison, mon petit paresse. Enlève ton pull. Oh, finalement, du non, Tantine. Vraiment. Il fait froid dans la maison, il ne fait pas chaud. Il dit, monsieur, il fait chaud. Le petit dit, non, laisse-moi regarder le thermostat. Il va regarder le thermostat, il dit, voilà, Tantine, fait 50, tu fais 10 degrés dans la maison, 10 degrés dans la maison. Et tu me dis qu'il fait chaud, il fait froid dans la maison, c'est pourquoi je garde mon pull, j'ai froid. Il dit, d'accord, mais c'est pas la peine de parler trop fort, tu parles un peu trop fort. Il dit, Tantine, c'est ton appareil auditif, il faut que tu... réduise le volume de ton aide auditive. Là, ça va t'aider à écouter modérément, parce que là, on dirait que tu n'as pas réglé ça encore. C'est toujours comme ça, dit, oh, paresse, merci. Alors là, tu me rappelles le temps que j'ai passé au Congo quand j'étais là. On avait un maître, lui, alors, il était bizarre. Qu'est-ce qui se passe, Tantine? Qu'est-ce qu'il faisait? Oh, dis-lui, quand il avait un deuil dans sa famille, il venait et il rasait la tête de tous les élèves à cause du deuil qu'il avait. Donc son problème à lui, c'était le problème de tout le monde. Alors c'est comme moi, quand j'ai chaud, je crois que tout le monde a chaud. Comme toi, tu as le brouillard, tu vois du brouillard, c'est à cause de toi. Tu crois que tout le monde voit comme toi, ou tout le monde sent comme toi, tu es en train de sentir. Alors là, c'est vraiment triste, hein. Mais vraiment, c'est la vie, c'est comme ça. Alors ils ont rigolé, puis finalement ils ont dit, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Alors donc c'est la fin de notre histoire, qu'on a intitulé « Telle tante, tel neveu », l'histoire de Paresse et de Mélodie. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine.